Aujourd'hui, direction le domaine de la Pradelle, situé à Vitrolles, dans le sud des Hautes-Alpes, ici. La pomme et la poire sont les reines et on retrouve ces fruits sous toutes les formes. Le domaine de la Pradelle, c'est une histoire de famille, un goût de la terre et du fruit transmis de génération en génération. Mais si l'on s'active aujourd'hui sur l'exploitation, ce n'est pas pour parler famille, mais bien récolte. On termine les poires et on attaque les pommes, une récolte qui, cette année, aura un peu de retard. 15 jours de retard sur l'année dernière. Mais moi, je dirais qu'on est à peu près dans les mêmes dates de cueillette qu'il y a une quinzaine d'années. On récoltait toujours à ces dates-là. Donc, il n'y a rien d'anormal, à mon avis. Cette année encore, il y aura donc de la pomme et de la poire. Et pour ramasser tout ça, il faut évidemment de la main-d'œuvre, sachant qu'approximativement, c'est un cueilleur pour un hectare. Jacques Richier, lui, fait confiance depuis de nombreuses années à ses ouvriers polonais pour plusieurs raisons. Plus efficaces, appartenant presque au même village en Pologne, c'est facile de travailler avec eux. Et lorsqu'on lui demande s'il paye moins cher cette main-d'œuvre étrangère, Jacques Richier est ferme et catégorique. Non, c'est complètement faux. En fait, on paye sur la base du SMIC français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix de main-d'œuvre, c'est à peu près 12 euros de l'heure, charges comprises. Je vous donne un exemple, nos concurrents italiens à deux pas d'ici, ils payent 7 euros de l'heure. Donc on paye pas moins cher que les autres, au contraire. Alors bien sûr, nous allons à la rencontre d'Arthur, le leader du groupe de Polonais qui parle le mieux français. 20 ans qu'il vient travailler en France. L'atout majeur de notre beau pays, eh bien tout simplement le salaire. Parce que chez nous, pas beaucoup de travail, là nous gagnons double. Oui, en France, il vit bien. Il travaille bon, argent ça va, oui, mieux. Oui, tous. Tous habités à côté de moi, la même région. Non, ça va le travail. Pas trop dur. Pas trop dur. Et en plus, le cadre de travail pourrait en faire rêver plus d'un. Arthur et ses compères polonais ont encore un mois de récolte devant eux avant que les consommateurs ne puissent goûter ces fruits gorgés de soleil qui font la fierté des Alpes du Sud.